Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de ma commande Traveler's Notebook de chez Miske Store. Allez, c'est parti! Donc j'ai commandé le writing board avec l'édition musique que je trouve vraiment très très jolie dans ses couleurs. En ce moment je suis très jaune moutarde et bleu comme vous avez pu le voir, avec les éléments dorés. Donc j'ai pris aussi la version passeport parce que bon, quand on est une collectionneuse, hein. Donc ils sont vraiment très très jolis. Hein. J'ai pris bien sûr le planeur 2019 et les stickers de customisation. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous avez les stickers de décoration sur le thème de la musique, pareil avec un petit peu de doré. Les stickers pour marquer les mois et les différentes pages. Les petits stickers pour les événements. Les classiques petits ronds pour les dates. Et les stickers qui servent de pochette, donc en forme de cassette audio. Et cette année, quelque chose d'un peu différent. Donc c'est des lettres, mais version transfert, vous savez, à gratter. Donc ça c'est vraiment nouveau. Et donc bien sûr le planeur 2019 daté, parce que j'ai vraiment la flemme maintenant et je n'ai plus le temps de m'occuper de mettre des dates. Donc toujours deux carnets, un carnet jusqu'à juin et un carnet de juillet à décembre. Les couleurs ne changent pas, le premier carnet est toujours bleu clair et le deuxième toujours bleu foncé. Je pense que c'est un code couleur pour le modèle et la date. Et donc vous avez un petit guide et les autocollants sur le thème toujours de la musique. Et donc j'ai aussi reçu en plus le Traveler's Time, le dernier Traveler's Time, donc avec la série Ace Hotel à Los Angeles. Toujours plein de petites infos, donc en japonais, la version japonaise. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à commenter. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. À bientôt!